الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شيخ أسان الإسلام كنا إيمانا الله سبحانه وتعالى من الجد في إنسان لولا في الله سبحانه الله سبحانه وتعالى لفين أت أودني Pour être loin de toute petite chose qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam empêche alors reste loin de ça. Abstenir de ça quelque chose. Alors incha'Allah, nous pouvons concernant un, deux, trois points qui est un dimon les faire. Nous pas pouvons concernant salat, concernant suyam, mais même petite action qui est un dimon les faire. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie sa dîmoun là sur un petit péché qu'il fait. Si arrivé un dîmoun, il fin arrivé tombe de haram, il fin arrivé faire un péché, ben adoute qu'il lui disait rode, pardon Allah subhanahu wa ta'ala afin que Allah subhanahu wa ta'ala lui pas puni sa dîmoun là le jour du qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala les fait mettre dans ce din certaines actions qui est considérées comme expiation de ben péché. C'est-à-dire, quand un musulman les fait cette ben action-là, à travers ça, apporte sawab, qui Allah subhanahu wa ta'ala les récompense la personne, les gagne aussi le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une mauvaise action qu'il est incapable de commettre. Parmi nous gagne un dimon, les maintenir le tawhid avec sincérité, les maintenir le la ilaha illallah, les maintenir qui n'a aucun vrai ilah, n'a aucun vrai bon Dieu qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui pas cause par sa passion, et c'est lui qui pas cause par son désir, les dire. Que Allah subhanahu wa ta'ala fin dia, c'est un hadith qudsi. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala fin dia, Yabna Adam, ô enfants Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô enfants Adam, si tu viens avec moi, avec sa limone-là, remplie avec péché, mais il y a une condition dans sa hadith-là, dans sa parole-là. Si tu viens, joins avec moi, avec sa limone-là remplie avec péché, et tu ne peux pas finir, mais aucun associé avec moi, je peux venir avec toi, avec sa limone-là remplie avec pardon. Ça c'est faveur, ça c'est rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Khuliqa l'insanu da'ifa » Alors un démon, ce n'est pas un point pour lui servir, qui lui dit Allah fin crée moi faible, alors je suis capable de faire n'importe quel péché qui m'a capable. Mais seulement, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même qui fin crée, toute la création, Allah subhanahu wa ta'ala lui connaît dans la faiblesse qu'il y a dans l'insan. Alors il fin met certaines actions qui pensent à cette action-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui expie ben démon ce péché. En le place, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Tuftahu abwabu al-jannah yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis Fayughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna. Ben la porte de Jannah ouvert chaque lundi et jeudi et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne chaque individu qui pas fin faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté une personne qui entre lui et son frère, il y en a rancune. Faqal, Allah subhanahu wa ta'ala, fayuqal, Allah pourrait dire, anziru hadaini hatta yassaliha, retarde ces deux-là, jusqu'à qu'ils soient réconciliés. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça trois fois. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous pouvons vivre dans une bastille. Nous pouvons vivre dans un endroit que nous faisons salat en jama'a.
quand nous collons nous les pieds avec nos frères sur les pieds, nos épaules avec nos épaules. Mais les chagrinants pour dire, il y a beaucoup de frères, il y a rancune pour les frères. Quand ils trouvent une place pour sa frère là dans sa vie, ils ne parviennent pas debout pour sa frère là, ils attendent l'autre Dieu mon béni. Aujourd'hui, nous pouvons vivre dans sa qualité halat là. Après, nous pouvons attendre qu'il nous soit gagnant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, un démon, il y a un tawhid dans lui, mais seulement sa rancune qu'il y a avec son frère. C'est ça qui peut empêcher ce bonne action montre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, problème belle-fille et belle-mère. Problème, camarades et camarades, frères et frères, disant et disant, mais nous besoin qu'on suffa des al-muttaqin, wal-kadhimin al-ghayz, wal-afin an-nas. C'est lui qui est capable de contrôler ce colère, et c'est lui qui pardonne Benjamin. Nous besoin de sa même qualité, sa même type, sa même bonne qualité là dans nous, qui ne pas grande rancune envers nos frères musulmans. Parce que c'est une de bonnes raisons pour qui nous bonnes actions pas montre que Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères en islam, en tant qu'un humain, en tant qu'un insan, il est impossible qu'un musulman lui débarrasse de tout ce bon péché. Mais si ça dit mon là, il fait des efforts pour éviter un grand péché, ben guna qui kaba'ir, comment nous dire, il lutte contre un petit péché. Par permission Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pardonne-lui pour ce même petit péché qu'il est incapable de commettre. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit à la sourate An-Nisa, ayant 31, « In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an, nukaffir ankum sayyi'atikum, wa nudkhilkum mudkhalan karima. » Si je t'évite ben péché, si je t'évite ben grand péché, si je t'évite être empêché de ça, nous pour effacer, nous pour pardonner un petit péché et nous pour faire notre rentre dans une entrée honorable, c'est-à-dire Jannat. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Allah subhanahu wa ta'ala vous fait ouvrir dans un Jannat qui aucun lisier n'a pas fin trouver, qui aucun oreille n'a pas fin tender, qui aucun lecteur n'a pas fin capable d'imaginer comment il était. Chers frères en islam, parmi même les autres moyens qui Allah lui expie, ben péché, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innal hasanati yudhibna sayyi'at » Certainement, ben bonnes actions lui effacent ben mauvaises actions. Et un musulman s'il est arrivé à faire un péché, et tout de suite, après sa péché-là, il fait une bonne action, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, sa bonne action-là lui efface sa péché qu'il vient commettre là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'az, radiyallahu an, ittaqillah haythuma kunt, fais Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe ça que tu étais, wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, et fais une bonne action, après avoir qui te fine arrivé commettre un erreur, et ça pour effacer-le, وخالق الناس بخلق حسن et converse et dialogue et cause avec Benjamin, agir envers Benjamin avec un bon caractère, cause bien avec Benjamin. Si un musulman, cher frère en islam, lui fait ses efforts pour qu'il cause d'une meilleure façon avec tout Benjamin et lui pas blesse personne par ses bonnes paroles, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient un moyen pour qui Allah pardonne ce ben péché. Et comme ça même encore, une de bonne façon que Allah lui explique ben péché, c'est par faire salam, chers frères en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, inna min mujibat al-maghfira, badlu salam wa husnul kalam. Parmi ben quelque chose qui nécessite les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faire salam et cause bon causé. Aujourd'hui, nous trouvons Benjamin, notre parent, la meilleure place qui est là, l'eau salatée est là, c'est ben masjid. Et vous êtes avare de ça quelque chose qui appelle salam. Vous êtes avare, vous êtes égoïste pour dire assalamu alaikum. Comment dire des djimoun qui peinent la ilaha illallah dans votre fin zouane, comme ça même, votre fin zouane. Mais seulement, les bien malheureux pour dire deux musulmans zouane, vous n'êtes pas fait salam. Mais parmi même quelque chose qui fait un petit péché être effacé, c'est faire salam, chers frères en islam, et en même temps, cause bon causé. Et maintenant, si tu as un djimoun qui peut vivre dans le monde,
quand il y a l'orgueil dans eux, la cause d'un petit million, ça là, il y a élaboré. Il refuse de pousser la main avec lui, pour shake hand avec lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ma min muslimayn yaltaqiyani fayatasafahan, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. » Ben, il y a deux musulmans qui joignent, et je tiens à la main, excepté qu'Allah pardonne les deux avant qu'ils soient séparés. Et en même temps, chef récent en islam, parmi les actions qu'il a dit de faire, pense à Allah subhanahu wa ta'ala l'expier, ben petit péché, c'est agir bien envers les animaux. Agir bien envers les animaux, comme ça même. Tiens, une madame dans l'époque Bani Israël, une madame qui tiennait la ilaha illallah dans l'île, mais seulement c'était une madame qui tiennait une mauvaise la vie. C'était une madame qui tiennait satisfait avec plusieurs bons hommes, mais seulement pour une simple action qu'il finit faire, Allah subhanahu wa ta'ala finit satisfait avec sa madame là, elle lui pardonne et en retour elle a jannah pour lui. C'est lui qui donne un chien à boire. Et comme ça même, dans sa l'époque qui nous peut vivre, dans sa siècle qui nous peut vivre, fin arrive un événement un peu pareil comme ça même, chef de soeur en islam, ou qui sa madame là, lui satisfait lui avec plusieurs, ben monsieur, c'est qui c'est une maladie qui est là, qui fin enveloppe ça l'équipe là. Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, lui dit, « Inna al-jabala min al-hasa, un tiros, il fait une montagne. Prends l'exemple, un tel macadam, un tiros, il fait une petite montagne. Comme ça même, ça péché qui un démon le fait, ça vient un point noir de ce l'école, ça vient un point noir de ce l'équipe, un point noir dans ce l'équipe là, est-ce qu'elle enveloppe ce l'équipe là? Quand pécouse kalam Allah, pécouse hadith, pécouse concernant Jahannam, ça pas fait l'effet dans l'équipe ça démon là, dans l'école ça démon là. Un lampe pas coulé depuis ça démon là, qui fait, si tant il vient plonger dans le péché. Et un soulard, si dans l'Iboire, et vous trouvez, il y a un musulman, mais l'Iboire, ce madame peut dire, il y a le masjid, après des semaines, il continue à boire. Qui fait, il continue à boire? Parce qu'il y a sa maladie qui finit affecter sa lèkia, qui finit enveloppe sa lèkia là. Et comme ça même, dans sa l'époque qui ne peut vivre là, c'est Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah ta'ala, qui finit raconte nous ça dans le masjid al-Nabawi. Il dit, il y a un garçon d'une vingtaine d'années, qui tient, qui est addict à l'alcool, il tient sous l'or, dès qu'il peut boire, et il tient musulman. C'est un celui qui est là, il a Allah dans son équerre. Sur le matin, tu le sois, sur le soir, tu le matin. C'est-à-dire, le soir, il reste éveillé, il reste levé, et grand matin, il dormit, ce travail saisisse, manger, boire, et boire l'alcool, boire même intoxicant. Ça, dans son âme, et comme on nous connaît, même sous l'or, je gagne faim beaucoup, je assoiffé beaucoup. Un jour, il peut gagner faim, il peut gagner extrêmement faim, qui tient simplement un rial dans ce poste, c'est-à-dire 8 roupies. Quand il peut gagner soit un shopping de l'eau, soit un petit gilet dans briques, c'est ça même qu'il est capable de gagner, pas plus que ça. Quand il finit sorti le soir et sa gosse sont là, il reste voisin avec Masjid. Un jour, sa gosse sont là, si tant il peut gagner soif, il peut gagner faim, il sorti, il y a le bakar, il y a la boutique. Quand il peut aller à la boutique là, il trouve un petit chiot, il trouve un petit chien qui peut gagner frais. Et si dans l'hiver, il trouve un petit chien qui, comment dire, peut gagner frais, peut gagner soif. Et sa gosse, son âme, a un sel rial dans ce poste. Il rentre dans sa boutique là, il y a un brique d'ilé. Et c'est ça même qu'il peut gagner, il n'est pas pour gagner, il peut gagner un sel. Et il trouve ce petit chien là, assoiffé et peut gagner frais. Sa gosse, son là, il dit, laisse-moi donner ce chien là à boire. Il prend ce chien là avant dans ce godit. Il fait les fils attises, comment dire, les chiens là à trop. Il tient un petit chien. Sa garçon là, il ouvre sa brique là, il donne sa chien là à boire complètement. Alors sa garçon là, il reste, il gagne faim et soif toute longue la nuit. Et il finit la case, il finit dormi. Quand il finit dormi, il finit lever le matin. Garçon là, il trouve qu'il n'est plus bizarre, ça quelque chose qui appelle l'alcool. Il n'est plus addict à l'alcool, il n'est pas bizarre, c'est la boisson intoxicante là. Et de ce même jour, sa garçon là, il commence à fréquenter masjid. 5 fois salat par jour d'après-midi à ça. Benjamin, ben Moussouali dans masjid, quand il trouve sa garçon là, je dis à lui comme ça, quand je trouve un garçon qui je n'ai pas habitué à trouver, je approche avec lui, je dis à lui, oh garçon, est-ce qu'il y a un voyageur? Est-ce qu'il y a un nouveau qui vient dans cet endroit là? Garçon là dit non.
Moi simplement voisin avec Masjid, mais seulement mon parti connaît la porte Masjid qui coulait. Mon parti connaît la porte Masjid. Mais il dit, mais qui fin amène ce changement là de toute la vie? Il dit, un jour, moi tu payes la boutique, moi fin trouve un petit lichien qui a soifé et moi tu nazis un rial dans vos poches. Alors moi fin acheter un la boisson, un boire, un du lait, moi fin donne ce lichien là à boire. Et c'est un événement typiquement à sa madame d'Abani Israël qui fin descendre, fin donne le lichien à boire depuis dans un puits. Et connaît qui dans un puits pénal la censure, chers frères et sœurs en islam. Il fin besoin grimper et dans le pays arabe, avec sa même salaire là. Nous besoin connaître qui souliers, comment sont tipi. Sa madame là qui fin grimper, il fin besoin trapper sa soulier là avec sur la bouche. C'est pas ça Allah subhanahu wa ta'ala fin satisfait. Paul il fait bien agir avec une créature, Allah subhanahu wa ta'ala, un lichien. Et comme ça même, sa gosse sont là encore. Les fins agir bien avec une créature, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah fin satisfait avec sa gosse sont là, les fins tient sa maladie qui est là dans ce léco, qui les fins addict à l'alcool. Et sa gosse sont là depuis aujourd'hui, les continuent à maintenir ce même salat dans masjid. Et comme ça même maintenant, tout le monde compte un mot, le kalimat de tawhid, chef frère en islam. Tout le monde compte un mot, le la ilaha illallah. Un garçon, même quelque chose raconté par Cheikh Abdelrazak dans cette leçon qu'il y fait faire, il dit, un garçon qui peut aller dans le tour, une jeunesse plutôt, il peut écouter la musique, il peut écouter santé, et sur le tour il est accidenté. Le garçon là sur le tour il fait accident. Et maintenant, ce garçon là, l'ambulance, il s'est assis comme un lit dans l'hôpital. Puis aller dans sa lili roulante là, son papa il est appelé à l'hôpital. Et les filles trouvent condition de ce garçon pas bon, c'est-à-dire ce rouh et ce outil. Garçon là, il écoute la musique. Il dit, ya, bouneïa, dans sa lèvre là, sa papa là. Une parole plus douce qu'il est capable de dire à ce garçon, oh petit garçon, qu'il la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Qui vous pensez que ce garçon là capable de dire? Ce garçon là, il répète sa dernière la musique, sa dernière santé qu'il est capable de tendre dans sa radio là avant ce tour accidenté. Et il mot sa parole là, wal riyadu billah. Nous besoin de prendre beaucoup de précautions. Nous faire doua avec Allah, qu'il protège nous de sa même mauvaise amour là. Et comme ça même, un celui qui vient à isoler l'amour, c'est Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, un muhaddith. L'ilo celui qui l'amour. Et bien les autres dîmons qui racontent le hadith, fait assise autour de lui. C'est sur le dernier moment qu'il peut vivre, malakul maut pour une chier sur la vie. Ben là, peut hésiter, un grand dîmon comme ça, comment pour dire lui, la ilaha illallah. Comment vous dire, répète, comment vous faites tel qu'il dit, dit la ilaha illallah. Alors, ça mène des gens qui font autour, il y a des gens qui tombent d'accord pour citer cinq des narrations au complet. Pour dire, haddathana fulan, an fulan, an fulan, an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qal. Et hadith là, ce moment-là, c'est un moment dur. Dans le dernier moment qui Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, peut vivre. Je ne suis pas capable de citer cette scène de narration là. Lorsque l'on lit l'amour, Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala, il commence à dire haddathana fulan. Il commence à citer sa scène de narration là. Jusqu'à ce qu'il arrive, il cite les hadiths. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Comment il prononce le mot Allah, ce ruh sorti. Allahu akbar. Ça est un des plus de l'amour qui est un capable de gagner. L'imol au kalimat de tawhid, l'imol au la ilaha illallah. Un jour pas un jour, un jimoun premier péché qu'il n'est capable de faire, mais c'est le fin mol au tawhid. Un jour pas un jour, il peut bizarre rentrer dans la jannah. Parce qu'un celui qui n'a la ilaha illallah de ce léquer, n'est pas pour rester éternellement dans d'y fait l'enfer. Alors, chers frères en islam, nous besoin prendre précaution, nous besoin faire beaucoup d'efforts pour nous maintenir le surat al-mustaqim. Nous faisons une action, qui passe à une action là, Allah efface tout un petit péché. Et quand tu as un grand péché, nous faisons tawba sincère, nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous pas pour retourner dans sa même désobéissance là, nous pas pour retourner dans sa même péché là. Chers frères et sœurs en islam, tout le monde commet péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ibn Adam khatta wa khayru al-khatta'in at-tawwabun. Tous enfants Adam fait péché, mais meilleur parmi ces mêmes enfants Adam là, c'est celui qui fait, celui qui demande tauba, celui qui repentit à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, comme ça même, nous prenons les temps, par exemple, pour un salat, pour aller à notre salat, atteindre la masjid, c'est une de bonne façon qui Allah expie nos bons péchés. Il fait nous gagner tawab et en même temps, il expie les bons péchés qui nous font capables de faire, les petits péchés qui nous font capables de faire. Et comme ça même, prend un jum'a pour aller à notre jum'a.
C'est 5 fois salat qui nous fait à Fajar, Zohar, Asar, Maghrib et Isha. C'est une expiation ou un péché qui fait une catégorie ici, qui fait une qualifier lui. Pareil comme un djimoun, un larivier passé devant sur la porte, il y baigne 5 fois par jour. Est-ce qu'il peut mal propter le lit? Mais pas pour une comme ça même, ça 5 fois salat là, les purifier, les expier petit péché des djimoun. Et comme ça même, prend un umra ou un autre umra, c'est expiation de mes péchés, chers frères et sœurs en islam. Nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il pardonne nous pour nous errer qu'il nous finisse capable de faire, qu'il soit grand ou bien petit. Nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous maintenir le sirat al-mustaqim et il fait nous maintenir le aqida de men salaf rahimahum Allah ta'ala. Nous faisons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il donne nous husn al-khatima, qui donne les paroles sorties dans la bouche, c'est kalimat al-tawhid, la ilaha illallah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibn Frère, nous demandons de voir 6 en place pour un petit rafraîchissement.